on limits. Wow. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nuance Urban. A tous ceux qui vous invitent à vous abonner, cliquez là, abonnez-vous, activez la cloche, n'avez pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos. Oui, et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, vous pouvez faire les dons sur PayPal, NotBank et Western Union. Et toutes les informations qu'il vous faut se trouvent dans la partie description. Que Dieu vous bénisse. Nuance Urban. Wow, je suis d'accord. Vous le savez déjà, sur Nuance Urban. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au mystère suivant. Quel est ce mystère, Nuance Urban? Ce mystère, c'est le mystère 7. Alors, vous le savez déjà. Nous avons déjà traité le mystère 1, le mystère 2, et le mystère 3, et le mystère 4, et le mystère 5, et le mystère 6. Mais où étiez-vous? Mais what? Mes frères et sœurs, nous avons 30 mystères à résoudre ou encore tenter de résoudre sur Nuance Urban avec vous. Soyez prêts. Nous allons vous raconter cette histoire et ce sera à vous de réagir dans la partie commentaire et nous dire ce que signifie ce mystère. Soyez prêts. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Nuance Urban? Qu'est-ce qui contient ce mystère? Ce mystère est l'un des mystères les plus mystérieux. C'est pourquoi il se trouve tout simplement dans le top 30 de ces mystères. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une histoire réelle, une histoire qui s'est produite et voici ce qui s'est passé. Un jour, des chercheurs ont retrouvé un manuscrit. C'est quoi un manuscrit? Ça c'est quoi? C'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Mais un manuscrit là, c'est un peu un truc comme ça. Quelqu'un a écrit quelque chose à l'intérieur, ses recherches, ses connaissances. Il a tout simplement sauvegardé dans un livre, dans un support. Et c'est ce support-là que les humains ont retrouvé, les chercheurs ont retrouvé. Quand ils ont retrouvé cette histoire, ils étaient tous dépassés par ce qu'ils avaient vu. Mais quoi? Pourquoi vont-ils être dépassés par ce qu'ils ont vu? C'est tout simplement parce que ce qui se trouvait à l'intérieur était premièrement mystérieux et ils ne comprenaient pas ce qui était là. Ils ne comprenaient pas. Quoi? Ce que contient ce livre-là, vous ne savez pas. C'est-à-dire, ils voient les écritures, mais ils ne savent pas c'est à quelle langue. Voilà. Et puis, le dessin ou encore le schéma qui se trouve à l'intérieur correspond à quelque chose de vraiment étrange. Ils voyaient des femmes qui étaient accrochés aux arbres comme ça. Mes frères et sœurs, c'est incroyable. Et ces femmes-là produisaient quoi? Des enfants qui étaient aussi accrochés à d'autres arbres, ainsi de suite. Et cette écriture, ce qui fait que cette écriture est mystérieuse, c'est tout simplement parce que elle est déchiffrable et aucune langue sur la terre ne peut nous aider à comprendre ce de quoi il s'agit. Mais what? Mais qu'est-ce qui se trouve dans ce ministère, ce manuscrit? Est-ce que vous êtes capable de déchiffrer ce qu'il y a écrit? Réagissez dans la partie commentaire et dites-nous si vous en êtes capable. Parce que c'est que si Nuance Urban, il y a des gens qui sont forts ici. Bien, maintenant, dites-nous, qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans cette histoire? Selon vous, qu'est-ce qu'il y a de mystérieux? Bon, franchement, peut-être, comme vous savez que quand les gens sont limités, quand les humains sont limités, ils trouvent que cette histoire est mystérieuse, n'est-ce pas? Quand on parle des fantômes, quand on parle des démons ou encore des esprits, il y a des gens qui disent, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est incroyable parce qu'eux n'arrivent pas tout simplement à expliquer cela de façon rationnelle. La raison ne peut pas tout simplement accepter cela.
Mais si c'est, tu as vu de tes propres yeux que c'est réel dans un truc comme ça, c'est que ça signifie quelque chose. C'est une autre langue et cette langue existe. C'est peut-être la langue des anges, qui sait. Dans la parole de Dieu, on nous parle de la langue des anges. On nous dit qu'il y a des gens qui parlaient, qui prophétisaient en d'autres langues, qui parlaient en d'autres langues. Ça veut dire quoi? Dans la parole de Dieu, on nous dit quoi? On nous dit que quand l'Esprit de Dieu est descendu sur les disciples de Jésus, ils se sont mis tout simplement à parler en des langues étranges. En des langues étrangères! Et seuls ceux qui ont le même esprit pouvaient comprendre de quoi il s'agissait. Mais what? Ça veut dire que pour pouvoir déchiffrer ce mystère, il faut absolument recevoir l'esprit de ceux qui ont écrit cette histoire. Ainsi, ce mystère sera résolu. Sauf ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent comprendre le mystère ou encore la langue de ceux qui parlent en langue ou encore la langue des anges. N'est-ce pas ça? Oui, c'est vrai que vous voyez ça comme une histoire mystérieuse parce que vous ne comprenez pas. Mais tout a un sens quand on interroge Dieu. Seul Dieu peut nous révéler par son bon esprit la signification de ce mystère ou encore ce qui se trouve dans ce livre. J'espère que nous avons essayé de résoudre ce mystère. Si vous avez déjà des informations, vous avez des idées et que vous voulez nous aider à la compréhension de ce mystère ou encore à la résolution de cette histoire, réagissez dans la partie commentaire. On vous attend. Abonnez-vous également et suivez-nous sur toutes les chaînes Nyans Ribbon. Nous avons cette chaîne, vous le savez. Cliquez sur Nyans Ribbon après vous êtes abonné, bien entendu. Et arrivez sur la page d'accueil. Abonnez-vous aussi ici sur les 7 chaînes. Que Dieu vous bénisse. Nous vous rappelons qu'aujourd'hui, toutes les chaînes sur Bonn ont reçu des vidéos ou encore vont recevoir ces vidéos. Jetez un coup d'œil sur ces vidéos où vous allez découvrir des choses extraordinaires. Que Dieu vous bénisse et que vous garde. C'est un peu. Mystère 7 résolu. Nous allons donc passer au mystère 8 le jeudi prochain. Et la prochaine vidéo, ça sera la parole de Dieu ou la vidéo précédente, c'est la parole de Dieu. Bon, qui sait? Jetez un coup d'œil. Nous sommes chauds ici. Nous travaillons pour vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. C'est extraordinaire. Vous êtes beau ce matin, n'est-ce pas? Vous êtes beau. Franchement, laissez un like pour vous-même. Que Dieu vous bénisse. Merci. Bon.